J'ai déjà fait des petites vidéos pour expliquer d'où venaient, en tout cas d'où et sont supposés venir les noms des communes d'Aurillac et de Bergerac, des communes avec lesquelles j'ai pu avoir des liens. Mais travaillant désormais sur la mine de Champagnac, qui était donc sur les communes de Champagnac et d'Yves, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de voir d'où vient le nom de ces deux communes. Donc d'un côté Ide, de l'autre côté Champagnac, anciennement Champagnac-les-Mines. Là, bon, pour les mines, pas trop de surprises, pas trop. D'hésitation, ça vient de l'ancienne mine qui était présentée ici sur place. Pas de problème à ce niveau-là. Par contre, pour le reste du nom, la partie Champagnac et pour la commune d'Ide. Là-dessus, comme souvent en étymologie, nous n'avons pas de certitude. Des hypothèses, pas de certitude. Quelles sont ces hypothèses Alors, id déjà, on sait que le, la commune a porté euh, des noms euh, différents avant, enfin euh, des formes différentes de son nom, puisque notamment il y avait le « isd » au XIIIe siècle, qui été attesté, euh, donc je vous mettrai à l'écrit l'image, comment à enfin, s'écrit, et euh, donc ce nom a plusieurs origines possibles. On a notamment Albert Dosa et Charles Rosting qui, qui disent que ce toponyme provient du prélatin is, euh, qui veut dire o, et du suffixe at. Une autre hypothèse, c'est que ça viendrait de idus, qui lui-même dériverait de l'étrusque iduar, qui signifie partage divisé. Et c'est vrai que Id est une commune qui est à la limite entre l'ancienne terre Arverne d'un côté et de l'autre celle des Lemovis. Donc ça pourrait être une explication, même si elle n'est pas euh, très, forcément très convaincante et que c'est pas une qui fait consensus. des voilà, personnes évoquent cette hypothèse. Mais il y en a une qui fait un peu plus consensus. C'est aussi du coup autour du nom du nom O. Ça serait le préfixe Hydra. Euh, donc du grec, qui signifie eau. Donc euh, on a deux hypothèses possibles autour de l'eau. En effet, il était une ville d'eau, un berceau historique, Hidbourg, qui est alimenté par trois sources, euh, qui, ont, qui auraient, euh, soi-disant, des propriétés bénéfiques pour la santé, même si, comme elles ont un faible débit, il n'y a jamais eu vraiment de possibilité de l'utiliser à grande échelle, même si la commune a eu un établissement d'eau minérale à la fin du XIXe siècle. Cependant, il euh, y a quand même voilà, cette, euh, ce lien avec l'eau, qui aurait pu donner le nom euh, d'île à l'endroit où la ville s'est développée Donc ça reste l'hypothèse, tout cas, du lien avec l'eau, semble la plus probable. Euh, pour Champagnac, on est sur euh, une étymologie qui vient de Campaniacum, euh, donc c'est un, un nom de domaine gallo-romain euh, formé d'un côté par euh, le nom Campanus, qui peut être soit un nom de personne. Soit euh, qui viendrait du gallo-romain Campania, vaste étendue de terre, plat et, et découvert. Alors, ce n'est pas le cas à Champagnac, donc c'est plutôt le, genre, le, le un nom d'une personne qui s'appellerait Campanus, et le suffixe Acum, caractéristique des noms de domaines dans la, beaucoup de communes, Bergerac, Aurillac, Figeac, etc., ont euh, le ac, qui signifie domaine de, et donc ça serait domaine de Campanus, qui serait donc, euh, le, qui, donc, qui serait donc Campanus, qui aurait donné par déformation au fil du temps. Champagnac, euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de communes en France qui ont déjà il y a plusieurs communes qui s'appellent Champagnac mais il y a pas mal de communes qui ont des noms proches, euh, il y a Campagnac par exemple aussi euh, qui viendrait donc, donc soit de cette racine Campagnus, euh, le domaine de Campagnus, soit du coup de Campania, vaste étendue de, de terre plate et découverte, euh, d'où le fait que ce serait un nom très répandu euh, en France mais on le trouve également même à l'étranger mais également mais, euh, l'étranger euh, dans l'ère d'influence romaine. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo bonus sur l'origine de ces deux noms, ces deux communes. Voilà, donc comme, comme je vous dis, c'est des hypothèses, euh, pas de certitude, mais euh, voilà, si ça vous intéresse, si euh, l'histoire de l'étymologie des, des, des noms de communes en France vous intéresse, cette vidéo peut vous, vous intéresser, et si vous êtes du coin, également. Euh, donc voilà, je vous dis au revoir, j'espère que ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à apporter des compléments aussi, notamment si vous êtes de la commune, si vous avez d'autres hypothèses que vous connaissez. Et euh, éventuellement, euh, j'essaierai de faire des recherches là-dessus. Là, euh, là c'est juste une petite introduction. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.